Allez, salut. Du coup, nouvelle vidéo. Hein? On essaye d'enchaîner à une par semaine à peu près de vidéos. Bon, là, j'ai pu avoir quelques trucs sympas. Donc, comme vous voyez, 4 boosters Évolution Céleste et un paquet où il y a deux cartes célébration, deux boosters célébration et un paquet au hasard, un booster au hasard. Voilà. Et du coup, prochaine vidéo, il y aura sûrement un pack Dracaufeu. On a réussi à avoir le TB de célébration, donc on pourra l'ouvrir sur une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à suivre les prochaines. Donc là pour aujourd'hui, on va s'ouvrir ces boosters. Alors les deux paquets célébration, je vais les garder à part. On les ouvrira à part dans une vidéo spéciale pour célébration. Donc là, soyez pas étonnés, on va pas les ouvrir, on va juste les mettre de côté. Du coup, merci pour tous ceux qui ont vu les précédentes vidéos, bon, surtout la dernière, puisque les autres étaient de moins bonne qualité, on va dire. J'essaye de m'améliorer, j'espère que ça se voit et que vous appréciez le petit step-up au niveau de la qualité des vidéos. Donc merci à ceux qui se sont abonnés aussi que je connais pas et merci pour les vues. C'est parti, on est chaud. On va commencer par ouvrir ce paquet. J'adore les Pokémon des 250 premiers. Et la deuxième génération, là qu'on voit, je suis un gros fan. Surtout bah, Hérissandre. On regarde un petit peu ce paquet. Ok, j'avais pas lu. Il y a un petit jeton Pikachu. On a quoi? Une illustration. Ah d'accord. Je sais pas si vous voyez. J'ai cette partie, le but c'est de les avoir tous pour former le paysage qu'on voit ici. Les deux boosters célébration que je vais garder de côté pour plus tard, on les ouvrira un peu plus tard. Et ça sera un booster Reine de glace. On va commencer par celui-là et on fera les évolutions célestes après. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans les règnes de glace. Je me demande si c'est pas la première fois que j'en ouvre. Allez, c'est parti. On est chaud, on veut du lourd, on veut du sale. Pour ceux qui veulent. Et on commence avec un Ramolos de Galar. Allez, on enchaîne. Aspicot. Poulpaf, en mode pâte à modeler. Un Watt-Watt, un Tarsal qui vous le rend en garde voir. On passe sur la carte énergie, logique. On a un petit dresseur, du coup Lona. Oh, un petit spoil du coup. Scobolide. Un dresseur Narcisse. On va passer sur la reverse. Et un Dimoré, du coup évolution de Farfuret. En reverse, très jolie carte, j'aime beaucoup. Et la dernière, allez, on espère, peut-être une ultra rare. Et ça sera pas une ultra rare, c'est Galam. On va passer au booster évolution céleste. Promis, la prochaine fois, ça sera un peu mieux, pack célébration Dracaufeu. Et dans encore une prochaine vidéo, le TB de la célébration. Il me tarde de l'ouvrir. Allez, pour ceux qui veulent, et on commence avec un passe rouge, donc je l'ai déjà, un Tentacool, je l'ai déjà, Pikachu, je l'ai, Grimmpio, celui-là je ne l'ai pas, donc au moins une carte que j'ai pas, un Poncho que j'ai déjà en reverse, on a la carte énergie, et un petit dresseur, résolution d'Amaryllis, donc la 164 sur la 203, je l'avais pas. On enchaîne encore avec un dresseur, copieuse, allez, une belle reverse. Ah non, c'est pas encore la reverse. Donc BK Glaçon, je l'avais. On passe sur la reverse. Attention, une belle carte, on espère. Et un Cubutoke, c'est très très bien. Je l'avais pas, donc en plus en reverse, c'est super. Et on va se faire la dernière, la rare, en espérant une ultra rare, et ça va être. Un Kelorior, bah écoutez, je l'avais pas. Elle est pas en holo, c'est dommage, mais moi je l'avais pas. Ça va, c'est un bon paquet. La moitié des cartes que je n'avais pas. On skip cette carte. Alors, vous allez vous dire, elle est pas extraordinaire, mais pour l'instant, j'ai pas beaucoup de cartes et elle fait partie des celles que j'ai les plus belles. C'est parti, deuxième booster.
Allez, pour ceux qui voudraient. Et on commence avec un furiglant que j'ai déjà plusieurs fois. Nodulite. Alors, celui-là, je ne l'ai pas. C'est une très bonne chose. Un cube toqué, bah, du coup, je ne l'avais pas et je me retrouve avec un deuxième. Bon, l'autre, elle est en reverse, qui est plus joli, du coup. Un granivole, je ne l'avais pas. Tilton, celui-là, je l'ai. La carte énergie. Rubombelle, celui-là, je crois que je l'ai même en reverse. Je sais plus trop. Comment ça se dit ça? Seracrawl. Évolution de Golasson. Donc Golasson je l'ai et Seracrawl je l'avais pas. Un badge ruban je ne l'avais pas. Donc putain ça fait beaucoup de dresseurs que j'ai et que je n'avais pas. Donc c'est nickel. Allez on part sur la reverse. Un pitrouille en reverse c'est super en kiff. Hein, putain. Ça c'est de la carte. Hein. Allez en espérant que derrière on ait une ultra rare. On va en avoir au moins une sur les 4 paquets. Croisez doigts. Bon, blanc coton en holo. Elle est très jolie. C'est pas une ultra rare, mais franchement, super jolie. Voilà, sleeve. Le pitrouille, je le respecte pas assez pour le sleeve, les gars. Troisième booster. Hein. Toujours pas de V ni de V max. Pour l'instant, c'est pas fameux. Au moins, des cartes que j'avais pas, ça c'est une bonne chose. Et allez, on commence avec un passe rouge, comme tout à l'heure. Baguiguane, celui-là, je l'ai. Hippopotas, ils sont pas foulés pour le nom, mais je l'ai. Et ben, ça y est, premier Pokémon Feu que de l'extension. Autant il a même pas d'évolution. Je connais pas assez les Pokémon de ces générations-là. Un Evoli. La carte énergie, un Vigoroth, je crois que je l'ai déjà en holo. Rêve Ball, je l'avais pas. Révolution d'Amaryllis, on l'a eu tout à l'heure. On passe la reverse. Et un Ursaring, je l'ai déjà aussi en reverse, ça me fait chier. Allez, une V Max. Et un Scarabrut, ça fait chier. Putain, on n'enchaîne pas. Là, pour le coup, c'était un mauvais booster. Quatrième booster. J'espère qu'on va avoir quelque chose. Quoi. Ça fait la vidéo de précédente, j'avais pas eu grand chose non plus. Excepté deux Pikachu surfeurs. Donc, allez, on y va. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. À tout moment, on peut avoir l'ultra rare et la reverse en plein milieu du paquet. Je sais pas ce que j'ai foutu, je regardais autre chose. Allez, Grenipio qu'on a eu tout à l'heure. Pareil cool, qu'on a déjà. Flabébé. Bon, moi, celui-là, je l'ai pas. Un Carvana, je sais pas comment ça se dit, comme Piranha, donc Carvana, ouais, ça doit être ça. Je ne l'ai pas non plus. Un Krabicoc, j'aimerais bien avoir l'évolution. Et peut-être là, je me suis trompé, c'est la reverse. Non, c'est bon, je me suis pas trompé. La carte énergie. Bagaïde, que j'ai déjà plusieurs fois. Badge, feuille neige, je l'ai déjà. Hippodocus, bah, au moins, j'ai l'évolution de Hippopotas de tout à l'heure, je ne l'avais pas. Et la reverse, un Verpomme. Alors, Verpomme, je l'avais déjà, mais pas en reverse. Un Banchitrouille que je n'avais pas, mais bon. Bon, dans l'ensemble, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a eu de bien? On n'a pas eu grand-chose sur 5 boosters, sincèrement. C'est bien dommage. Prochaine vidéo, le Dracaufeu. Le pack célébration Dracaufeu avec j'ai l'impression une belle carte, donc restez attentifs pour la prochaine vidéo. Je pense qu'elle sortira d'ici 4-5 jours et il faudra que je la tourne et que je la monte. J'espère que vous serez encore quelques-uns à regarder mes vidéos, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc écoutez, on se voit pour la prochaine vidéo célébration Dracaufeu et la prochaine un peu plus lourd, un ETB célébration. Il nous tarde déjà de l'ouvrir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui est bien dans la vidéo, ce qui s'est amélioré, ce que vous avez apprécié ou ce qui ne va pas du tout, comme ça je peux m'améliorer. Allez, à plus pour la prochaine ouverture. Ciao !